beer on the plane? Okay, trunk, I guess we're gonna need. Yeah. Los Angeles, 29 mai. La veille, aux élections primaires de l'Oregon, le sénateur Robert Kennedy a été battu. Pour la première fois, un Kennedy a essuyé un revers. Le sénateur de New York n'en reste pas moins décidé à poursuivre sa campagne. Objectif, l'investiture du Parti démocrate pour les élections présidentielles de novembre. Dans sa conférence de presse, Robert Kennedy reprend alors à son compte les buts définis dans le préambule de la Constitution américaine. Tranquillité, justice, liberté, bien-être. La restauration de ces anciennes valeurs suppose, dit-il, des idées nouvelles adaptées aux conditions présentes. Et d'annoncer qu'il considère les élections primaires de Californie comme un test. Senator, you said you would abide by the result of the California primary. Does this mean that you will withdraw if you lost the California primary? I think the statement speaks for itself. Yeah, okay, okay. S'il est battu, il se retirera de la course à la Maison Blanche. La dernière campagne de Robert Kennedy va commencer. Peu après, rencontre avec les communautés religieuses de Los Angeles dans une salle de l'hôtel Ambassador. Huit jours plus tard, trois coups de feu répercuteront le nom de cet hôtel aux quatre coins du monde. It's my own hope the issues we care about have to do with the needs of men both here and abroad. And I assume that the Senator will try to do likewise with his answers. Thank you very much. I'm delighted to see all of you and I hope you all... J'espère que vous avez dit votre prière ce matin. Said your prayers this morning. Faisant allusion à sa candidature, j'espère que vous avez prié pour la bonne cause. I might add, I hope you said your prayers for the right thing. I need it. But I'm pleased to see you, and I'm pleased look out and see so many people. It seems so strange to see nuns and priests come to meetings. I remember 1960. La campagne électorale aux États-Unis nécessite des prises de contact avec les communautés les plus diverses.
Deux étages au-dessus, Rose Kennedy, la mère de Robert, donne à son tour une conférence de presse. Tout le clan Kennedy est engagé activement dans la campagne de Bobby. La presse va poser les questions les plus saugrenues. Quel conseil donneriez-vous à une mère pour que son enfant devienne président des États-Unis? Comment un homme aussi fortuné que votre fils peut-il éprouver de la compassion pour les déshérités? Pourquoi a-t-il tant de succès auprès de la jeunesse? Well, I think he personifies youth and he's with his own children. And I think because he's had so many children and because he has grown up in a family that he has become particularly interested in young people and their problems, and probably he feels that he understands them. And then I think my other son was identified more or less with the youth all over the world. I've heard that. I've received letters from people who have named schools after him or clubs after him, young people. Les motards de l'escorte ne sont pas des agents de police. Ils appartiennent à une entreprise de pompes funèbres. Sa femme, Ethel. Son chien, Freckles, un cocker, qui l'accompagne partout. Good morning, Kennedy for President. Kennedy for President. Kennedy pour président. Il est maintenant 10 heures du matin. Au quartier général de l'organisation Kennedy à Los Angeles, intense activité. Deux telex surnommés l'un Gene comme McCarthy, l'autre Hubert comme Humphrey. La population a été découpée en rondelles de saucissons selon les activités professionnelles. Éducateurs, hommes d'affaires, artistes, professeurs. Des volontaires prennent contact avec ces différents milieux pour les soumettre à une intense propagande. Conférences, repas-débats, cocktail-parties. C'est bien la chose la plus stupéfiante. Le travail acharné fourni par des gens dont la seule récompense est la victoire de leur candidat. Mais sans un tel dévouement, la victoire est impossible. We'd like all the volunteer help we can get. Good morning. Why don't you call back? Call the switchboard back. All right? Okay, fine. Thank you. Sorry, Rick. Ross Pritchard. To Walter Sheridan's office immediately. Des quartiers généraux semblables à celui-ci, il en existe jusque dans les agglomérations les plus reculées. C'est à une maison de publicité de New York qu'il a appartenu de concevoir tout ce déploiement de papier, cotillons de carnaval qui entretiennent l'enthousiasme. Tout cela coûte cher. Facture de la campagne de Californie, $1,500,000. Here's 31, 32.
18 heures par jour, le bain de foule, une foule parfois hystérique, qui arrache à Robert Kennedy ses boutons de manchette, ses souliers, voire sa chemise. Pour éviter la chute, un athlète le ceinture. C'est un noir, un ami, Rafer Judson, ancien champion du monde de décathlon. Pendant ce temps, Redding Pitt, 24 ans, étudiant, fait ce qu'on appelle du canvassing. Il va de maison en maison pour déterminer parmi les électeurs inscrits sur les listes démocrates ceux favorables à Robert Kennedy. Mr. Van Steen. That's right. My name is Redding Pitt. I'm a volunteer worker for Senator Bob Kennedy. Mm-hmm. Yeah. And I wondered if there were any opinions that Senator Kennedy has been expressing that. Je suis un démocrate et je partage la plupart des points de vue de Robert Kennedy. Sans doute, je ne suis pas d'accord sur certains points, mais c'est la même chose avec les autres. Any viewpoints that you'd like to have carried back to Kennedy's headquarters or anything? Le rôle de Redding Pitt est d'exposer le programme de Robert Kennedy. Il est aussi d'offrir à ceux qu'il désire, pour le jour des élections, les services d'une garde d'enfants ou d'une voiture avec chauffeur, afin que chacun puisse facilement accomplir ses devoirs civiques. I don't think so. Yeah, you are. Your mother lives here too, right? Yeah. So you guys are undecided right now? Am I undecided? Yeah. No, I'm not a registered voter, really. Senator Kennedy would appreciate your support, and thanks for your time. Okay. No good with me. I'm not voting. Yeah, well, anyway, you know. Okay. Hey! Le quartier noir de Watts, connu dans le monde entier depuis les émeutes raciales de l'été 1966. Robert Kennedy pouvait compter sur 80% du vote des Noirs, 85% du vote des Portoricains, près de 90% du vote des citoyens d'origine mexicaine. La raison de cet attrait sans exemple, de cette véritable fascination, les communautés de couleur voyaient en Robert Kennedy le seul homme politique sincèrement décidé à défendre leur cause. Elle se rappelait les efforts déployés par son frère, le président, et par lui-même, comme ministre de la Justice, pour inscrire dans les faits l'intégration des races. La preuve de ce prestige, la voici.
my wife to you? Is it Kennedy? Il présente à la foule Ethel, son épouse. J'apprécie, dit-il, votre accueil chaleureux. J'ai besoin de votre aide durant ces prochains jours. Chaque déplacement représente une véritable expédition avec des motards, tarif 15 dollars l'heure, des voitures, des bus. C'est un microcosme avec ses règles particulières, ses acteurs, une nombreuse figuration. Il y a là des amis, des gardes du corps, des conseillers, les préposés à la rédaction des discours, des secrétaires, des journalistes, beaucoup de journalistes. Le droit à l'information dans ce pays est absolu. La presse est présente partout. Les facilités dont elle bénéficie sont uniques au monde. Une cinquantaine de journalistes couvraient la campagne de John Kennedy en 1960. Ils sont une centaine attachés au pas de Bobby, un record. Comment définiriez-vous le caractère de votre époux? Il a un extraordinaire courage, il pète sa personne, il peut résoudre les problèmes. Et sans arrêt, les grandes chaînes américaines de télévision filment. Elles filment tout, pour être certaines de ne rien manquer d'important. De tout ce matériel, elles n'utiliseront peut-être que 50 secondes dans leur journal télévisé. Plusieurs dizaines de millions d'Américains ont assisté à ce débat entre deux prétendants à l'investiture démocrate pour la course présidentielle, les sénateurs Kennedy et McCarthy. Pendant longtemps, Bobby a refusé d'affronter ainsi son concurrent. Il est un piètre orateur, McCarthy, un brillant débatteur. Mais les craintes du sénateur de New York se révéleront sans fondement. Une majorité de l'opinion publique ira même jusqu'à le donner vainqueur de la confrontation. Thème débattu, le Vietnam, évidemment. Saigon, government Saigon will begin their own negotiations with the National Liberation Front. I would be opposed to what I understand Senator McCarthy's position of forcing a coalition government on the government of Saigon, a coalition with the communists, even before we begin the negotiations. I would make it quite clear that we're going to the negotiating table, not with the idea that we want them to unconditionally surrender, but and that we expect that the National Liberation Front. Le problème racial, Robert Kennedy va marquer un point.
Eugene McCarthy propose de résoudre la question en sortant les Noirs de leur ghetto pour les installer dans d'autres régions. Comment les Noirs, demande Robert Kennedy, auraient-ils les moyens de vivre ailleurs que de leur ghetto? People that graduate from high school, which are only 3 out of 10 of the people who go, children who go to this school, only 3 out of 10 graduate from high school, and the ones that graduate from high school have the equivalent of an 8th grade education. Une vieille tradition, le train électoral. Elle rappelle l'époque où les avions n'existaient pas encore, ni les automobiles. C'est une promenade ferroviaire de petite gare en petite gare qui descend la vallée centrale au cœur de la Californie agricole. Station, selon la tradition toujours, le candidat apparaît sur la plateforme arrière du dernier wagon. I'm very, very pleased to be. Can we take the sign down? Thank you very much. Thank you, Delphor. Thank you very much. Southern Oregon. You wouldn't do that to me here, would you? With my friends in California. We're going to win here in California. Yeah! And we're going to make a difference for this state and for the country. Yeah! Who are here with me, and I wanted to introduce my wife, Ethel Kennedy, to you. As you know, Senator McCarthy and I are scheduled on Saturday night to hold a discussion of the great issues confronting our party and our nation. I hope very much. C'est au contact de la foule des petits blancs, des paysans besogneux, que Robert Kennedy paraît le mieux à son aise. Il dialogue avec son public. Il lance des boutades qui sont reprises au vol. In recent weeks, even since President Johnson's speech of March 31st, the intensification of the war has meant an increase. No doubt that our party and our country would benefit from a candid discussion of the issues between us. There are also disagreements between us on the somber questions of our national future and the rioting which has affected the United States and our citizens. And ladies and gentlemen, why should our deaths in our Army and our Marine Corps double in 1967 over 1966, while those in the South Vietnamese Army were going steadily down until they were less than ours? À la faveur du parcours, Robert Kennedy rend visite au wagon des journalistes. L'ambiance est détendue. Il règne un air de fraternité, mais aussi transparaît un des traits essentiels de son caractère, la timidité. Une timidité qui pouvait expliquer certaines brusqueries. Robert Kennedy était un homme politique controversé. Ses adversaires l'accusaient de rudesse, d'ambition démesurée, d'opportunisme. Dans ce wagon, il eût été difficile de trouver un seul journaliste qui n'éprouve pour lui une réelle sympathie, qui ne le juge foncièrement honnête, sincère.
I'm from Harvard, though, Senator, so it's all right. Yeah. We counteract each other, right? Thanks very much, though. How is that? This is very good. Is it good or not? Yeah. No, it's quite good. Are you? Is that just plain orange? Yes. Hi, sir. What are we doing here? Get out of here. Did you get a drink back there? No, they won't. This is your just unknown. Welcome you back. Oh, thank you. Have a great moment. What's going on? Joe Alsop, un des plus célèbres éditorialistes des États-Unis. How are they reacting to that? Very nice. It's a terribly disconcerting when I looked out in the audience and saw all these faces. I yell very loudly. Oh, everybody's enthusiastic as any Mexican American going. So. Stop crying. She's Mrs. She turns out to be Mrs. Hernando Valdez. Oh, dear. Agitation à Beverly Hills. Un gala de soutien est en préparation. Madame Pierre Salinger téléphone à Warren Beatty, héros de Bonnie and Clyde. Hello, may I speak with Warren Beatty, please? Oh, hi, how are you, Warren? Listen, could you come tomorrow? There will be a rally, a reception for Senator and Mrs. Kennedy. Could you come and be there? It's at 8 o'clock, and if you could be there on time, because they might be just a little late. And okay, yeah, just bring her, that will be fine. Ce soir, devant 6000 personnes, grand spectacle avec à l'affiche, parmi les noms les plus célèbres de Hollywood, Raquel Welch, une des actrices habituellement les mieux déshabillées de l'écran. Elle vient proclamer son soutien pour Robert Kennedy. I just felt that if there was a man who could unite his country where it's divided, John F. my brother, Robert F. Kennedy is a man. C'est l'homme qu'il nous faut. La chanson composée pour la campagne de Robert Kennedy. Kim Novak lit une page de littérature. One equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will. To strive and to seek and to find and not to yield. L'apothéose du spectacle, Jerry Lewis. Hello, Tracy, come in pear shape. I'd like to say how very thrilled I am to have been told to be here.
know, you can get sucked into a benefit. You never know what it's really... Thank you. You never know what it's really all about. And I want to make sure. Now, is Bobby maybe here? Est-ce que le petit Bobby est dans la salle? Demande Jerry. Because, you know, very often an affair like this could be for the Hadassah. I'd like to check it out. I mean, is Bobby here? Will you put a light on? I want to know if he's really here. Qu'on le montre avec les projecteurs. Do you wave or something so I recognize him? He's here! Le voyant, il s'effondre sous le coup de l'émotion. Happy to see you, Bob. How's it going? Et cela continue. Nouvelle cavalcade. Il y a 18 heures que la folle ronde a commencé. Juin, jour J des élections. Toute propagande est désormais interdite. Seules sont autorisées des voitures munies de haut-parleurs. Elles invitent les citoyens à se rendre aux urnes. RFK, 90% des bureaux de vote sont dans des maisons privées. Participent à ce scrutin les citoyens inscrits sur les listes, soit démocrates, soit républicaines. Les républicains votant de leur côté, les démocrates du leur. Soirée des résultats, l'organisation Kennedy a prévu une fête haute en couleurs dans une salle de bal de l'hôtel Ambassador. La soirée sera longue. Les résultats tardent à venir. Enfin, une chaîne de télévision se risque à faire un pronostic. Victoire pour Robert Kennedy. Le vainqueur a attendu cette annonce pour paraître devant ses supporters.
and the what he's done and the effort that he's made on behalf of the working man here in the state of California. RFK, Robert Francis Kennedy. Tout semble terminé. Robert Kennedy se retire. En passant par les cuisines de l'hôtel, il doit se rendre dans un nightclub pour y fêter sa victoire avec des amis. Soudain, un appel. Un docteur. On demande un docteur. Les cris de joie deviennent des cris de panique. La sœur de Robert Kennedy apparaît à la tribune. Steve Smith, son époux, engage la foule à rester calme. Un membre de l'entourage du sénateur de New York confirme la rumeur. Bobby has been shot. On a tiré sur Bobby. La salle est peu à peu évacuée. Journalistes essaient de pénétrer dans la cuisine où gît Robert Kennedy. Un témoin du meurtre, un garçon d'ascenseur de l'hôtel.
C'était un fou. Il décrit maintenant les vêtements de l'assassin. And your name, just your name, sir. Gabor Kadar. Thank you. Thank you. Quatre à cinq coups de feu ont été tirés. Le sénateur gisait sur le sol. Il y avait beaucoup de sang. He was wearing blue. You said it was a blue waistcoat. Blue waistcoat, blue tennis, and jeans, right. L'interrogatoire recommence devant les caméras d'une autre chaîne. No mustache, et ainsi de suite, les mêmes questions, les mêmes réponses, le même affolement. Blue waistcoat. Blue waistcoat, like a waiter? No, no waiter. I can't. Jusqu'à l'effondrement. Is there someone in here? We can call a cab or something. No, no. The gunman. You must have been insane. There were about 1,000 people inside this auditorium at the time it happened. Only those who were very near the door through which Senator Kennedy had just passed were immediately aware the shooting had occurred. There was a great series of screams there and shouts, and then... Le sénateur de New York a été transporté à l'hôpital des Bons Samaritains. Une longue veille commence. Do you want them back to back? And from the reports we had earlier, this must be pendant ce temps, toutes les chaînes de télévision, sans arrêt, retransmettent commentaires et informations. Il en sera ainsi pendant 4 jours, 24 heures sur 24. It's not visible in this picture. And undoubtedly, as Walter Cronkite noted, in a case such as this, he was probably given immediate sedation when he arrived at the hospital. And see if you can detect just what we did, that there's a shot and then a very long delay. It seems about 60 seconds, and then we hear a series of shots. Mercredi 5 juin, un éditorialiste vient de déclarer « Nous avons honte pour nos enfants ». Oh,
et toujours l'attente angoissée devant l'hôpital. Titre des journaux, Kennedy au seuil de la mort. Des pancartes, priez pour Bobby. juin 6, Robert Kennedy est décédé pendant la nuit. En signe de deuil, selon la tradition, les voitures allument leurs phares. juin 7. À la cathédrale Saint-Patrick, à New York. Où est dressé le catafalque. L'hommage d'un peuple.